Ouais, peut-être les empêcher de prendre pied sur la ville. En fait, ouais, ce serait bien de se mettre ici, quoi, dans la ville, mais à l'intérieur. Le problème, c'est qu'on avance groupé, au final. Oui, oui, bien sûr. Attends. Pardon. Non, c'est bon. Allez-y, allez-y. J'ai vu que je crois que t'avais bien choisi. Regarde. Hein. Pas, mais t'as le droit d'intervenir. Hein, ouais. Oui, oui, mais pour l'instant, j'écoute autour de la table s'il y a des conseils stratégiques qui sont donnés par d'autres. Il faut évacuer la ville. Bah, t'as beaucoup de gens qui sont en train de dire des... Il y en a aussi qui sont concentrés sur la bataille spatiale. Vraiment, les généraux, ils sont souvent sur... Pourtant, sur les 24-12. Sur la bataille spatiale, parce que s'il perd la bataille spatiale, il y en a beaucoup plus qui s'arrivent sur... On va peut-être faire avancer les deux speeders, parce que là, pour l'instant, ils sont... En fait, nous, on a l'avantage de les avoir des speeders qui se déplacent assez vite. Ouais, mais ils ont des chars qui se déplacent assez vite, mais ils les envoient pas. Mais ils sont puissants. Ah, ils font qu'une case, hein, les chars. Ouais, ouais. C'est un numéro, là. Attends, t'en as placé que deux, là, qui avait ça. Oui, il nous reste un mouvement. Pardon. Ouais. Ah, ils vont au spatioport, les salauds. Mais c'est l'île des détruits, de toute façon. Oui, c'est des ruines. Ouais. Attends, je vais recentrer. Ah, merde, j'ai plus de batterie. Ouais, on met 200, c'est bon, ça fait 3. Mmh. Il y a les alarmes et tout, tout le monde qui est en stress. Alors vous remarquez que les unités que vous contrôlez ne sont pas toutes des gardes de miroir. Il y en a, c'est... Et des rebelles. Voilà. Et les autres, qu'est-ce qu'ils sont? Alors moi je dis, on ramène ça. Ouais. Ici, ce sont des forces de la liberté. Le mec qui est là. Ce sont des forces de la liberté. Le mec light là, non? Comme ça on peut avoir les troupes par plus derrière qui. Non, ouais, ouais, ouais. Les troupes par plus, donc quoi? Oui, oui, mais ils vont l'être. 2, 3. Oui, les premières unités qui s'approchent, c'est juste des petits soldats à la con. C'est pour ça que les speeders sont sur-efficaces contre les soldats. Il a réussi trop fort. Il glissait des trucs avec ses doigts. Il faudrait peut-être approcher, peut-être un comme ça. Ouais, on en a un qui est juste à la trompe plus. Peut-être en diagonale. Char, peut-être en diagonale, t'as raison. Oui, il y a pas mal de chars ici, donc il faudrait que celui-là il approche. À toi. J'ai envie des. Et les emmerdes sont pas finies. On n'a pas commencé. Comment on s'est retrouvé là-dedans? Je sais plus maintenant, j'ai une bataille. Je voulais juste assister à un mariage, moi. De commencer, ne vient faire. En fait, ce qu'il faut, c'est que tu t'approches juste à côté des mecs avec ton vaisseau. Tu passes les propulseurs spatiaux, puis poum. Tac. Comment il dit Yoda à la fin de la Clone Wars? Tac. De débuter. Comment bien juste à guerre des clones. Il est un peu éloigné, le machin, là. Ouais, c'est pour tomber sur les... Pour tomber sur les pitités. Sur les super troupeurs. Et tu peux attaquer en diagonale, ou pas? Ouais. Oui. Et là, on a deux mouvements d'infanterie pour ramener tout ça. Le mec late là-bas. Je parlais de l'autre, mais ça marche aussi. Lui? Ouais. Ouais, il aurait mieux été. Bon, c'est pas grave. Alors, on va pouvoir attaquer quelqu'un normalement. Au prochain tour? Prochain. Quasiment, tour. Ouais. Ah. Il restait quand même un maximum dans la ville parce que eux de toute façon c'est leur cible et nous on est mieux défendus. Bah limite on va les attendre. Ouais, bah, tu au pire tu fais peut-être rentrer des speeders à l'intérieur de la ville. Bon et on n'est pas menacé là encore. Éventuellement non, on peut les mettre là. T'en mets un là, voilà. Et l'autre là. Ou là. Attends, ouais, il y en a un dans ce cas qui est bloqué. Non, il sera à portée de se faire attaquer. Ah, il est en diagonale. Si le mec avance, c'est bien. Ah oui. Ouais, mais il peut les attaquer avec ce trouva, il va pas nous les détruire en un coup et nous on va lui péter la face après. Donc... Vu que, tant que le char s'approche pas du speeder, je pense qu'on les fait perdre. Parce qu'eux ils ont pas de troopers plus, si ils ont des troopers plus. Si. Non, ils ont des troopers points. Ouais, mais c'est parce que j'avais. Enfin, quand j'ai commencé à marquer troopers, j'ai mis troopers plus. Oh merde, j'en ai mis parce que c'est pas des troopers plus, donc les points faut les oublier. C'est bien que ceux avec un lance-roquette dessiné ou c'est des plus. T'as des lance-roquettes dessinées? Oui, c'est des lance-roquettes, c'est moche. Ça te plaît pas? T'as pas le droit, t'as fait un paramécie pour un cheval, tu peux pas critiquer mes dessins. Des paramécies. Pour un cheval, c'est pas mieux. mm-hmm.
Sinon, ouais. On peut aussi. Mm-hmm. Okay. Remonte le dernier truc. Mm-hmm. À toi. Comment ? Oui. Ben on a bougé trois, hein, ça y est. Ouais, non, mais je réfléchissais à. Est-ce que tu peux attaquer puis retraite ? Non. Moi, c'est ce que je fais de voir ma quarantaine. Bah oui. C'est pour ça qu'on est. Une petite exormure. Deux. Trois. Ah, il est pas con. Pourquoi vous voulez pas le tuer, le mec qui approche là-bas ? Parce qu'il y a un trooper plus juste à côté, en fait, qui va nous flinguer notre speeder. Et bah, on flingue le trooper plus. On peut. Attends. Non, j'ai une idée. Tac. Tac. Ils ont lancé que d'une case. Hein. Ouais, 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 ouais. Mais là, on n'est pas à portée ni des troopers plus ni des chars. On va faire avancer peut-être ouais. Celui-là. Ouais, bien. Il peut avancer de deux. Hein. Ouais, non, mais les speeders, t'inquiète pas. Hein, ils ne font qu'attendre. Ils ne font qu'attendre. S'ils avancent de deux dans le sens, ils seront obligés d'avancer de deux. On refait bien la ligne. Celui-là. Hein. Celui-là. Nickel. Il y a encore un qui peut se déplacer. Les armées ne veulent pas tirer le premier coup. C'est marrant. Tu les en premier, messieurs les Anglais. C'est pourtant mieux. Ah. Non. Non, après c'est bon, je pense qu'on peut laisser. On attend, c'est parti. À moi ? Ouais. J'attaque ? Vas-y. Attendez, je note les dégâts. Excusez-moi. Sur quel nom ? C'est le speeder numéro 1. Maintenant, on a deux speeder 1. Ouais, on a deux speeder 1. Ouais, je sais, je me suis planté. Je me suis aperçu quand j'ai plastifié le truc. Ah, merde. Oh, puis il était 23h, j'ai fait la merde. Attends, il y en a un qui veut faire speeder 2. Speeder même. Donc celui qui a une petite rue, une tâche, et bah c'est le 2. Ok. Voilà, il s'est pris ses points de dégâts. Détruire. Eux, ils s'y mettent aussi et il est détruit. Ah ouais, ouais. Bah, c'est pas très efficace ces speeders. C'est voilà. Fragile, c'est puissant. Je dirais même que c'est bon, de la merde. Là, ils l'ont. Ils sont arrivés dessus. Mais attends, t'as donné plus de 3 ordres. Oui, t'as donné plus de 3 ordres. J'ai donné plus de 3 ordres. Ouais, t'as avancé celui-là à attaquer, avancé celui-là à attaquer. Mais c'est parce que t'as le droit, monsieur. T'as le droit d'avancer à attaquer. Ah, avancer à attaquer celui-là. Quand t'avances, quand t'arrives au contact, t'as donné plus de 2 ordres. Par contre, c'était bon. Il me semble que t'as bougé les troopers plus derrière aussi. Mais après, j'ai bougé des troopers plus derrière. Il me semblait, mais bon, là, c'était peut-être ton tour avant. Non, mais ça t'a le droit. Non, mais non, t'as non, juste que dehors à la fin, c'est tout. Non, non, parce que je les ai pas bougés. Puisque c'est la première action que j'ai faite pour lancer le combat. Et maintenant, donc il m'en reste un à bouger. On va dire ça. Voilà. Bon, c'est clair, on va attaquer ça là. Oui. Ouais. Vous l'attaquez. Mmh. Attendez. On va peut-être mieux à faire, non ? Ouais. Non, non, c'est pas attaquer. Vous l'attaquez ? D'accord, bah vous le détruisez. Ouais, bah voilà, bah c'est vrai que pour moi c'était bien. Ok. Voilà. Ça se détruit comme vous ça. Vous avancez d'une case, vous les mangez. Bon, c'est comme quand tu manges un truc. Ah, tu manges des trucs ? Bah pourquoi tu l'as ? C'est les miens, moi, non ? Non, ah, non, pas justement, ils ont pas avancé. Ça aurait dû être le deuxième qui avançait là, du coup. Dans ce cas-là, il y en a un ici. Le deuxième, il est là. Ouais, pardon. Ok. Dans ce cas-là, moi j'avance celui-là pour attaquer celui-là, j'avance celui-là pour attaquer celui-là, celui-là meurt, ensuite j'avance. Attends, doucement. Revenons en arrière. Qu'est-ce que tu fais ? Bon, d'accord, tu viens de nous manger, c'est à nous. Ok ? Trooper plus. Le trooper de base plutôt d'abord. Avance les troopers de base pour attaquer leur trooper de base. Alors, trooper de base sur celui-ci. Votre trooper de base attaque. Trooper 4 pour toi. Attends, le trooper. Ouais, c'est pas ce que je disais. Ouais. Ok, ensuite, trooper plus, attaque trooper de 4 pour toi. Ils sont morts. Tant mieux. Bah maintenant, speeder, on va attaquer. Trooper de base. Et le speeder là, il avance ici. Ouais, en diagonale pour attaquer. Bah non, il va se faire sniquer par le char. Sinon. Bah il peut pas aller autrement. Non, mais il peut se mettre là. Non, de toute façon, là, il bouge de deux, il attaque. De toute façon, je sais pas si t'as vu. Il peut passer, il attaque. Il attaque et ils sont finis. D'accord. Du coup, ça change pas grand chose. Voilà. Oui, mais moi le char. C'est chaud, mais au cas où on avait raté, on aurait. Non, mais mon char. Oui. Ça change rien parce que du coup, on prend leur place. Mon char avance d'une case par là et détruit votre speeder. Ah oui, comme ça, cache. C'est des speeders, hein. C'est pas des. On va pas la gagner la bataille. Ils ont trop cher.
Mon char, il va prendre parce qu'il y a des troopers plus, mais des dégâts supplémentaires au char. Peut-être que c'est pas fait pour la gagne. Hein. Peut-être bien, ouais. Lui. Eux, ils viennent là et ils attaquent. Et eux, ils viennent là et ils attaquent. Il les tue. Hop, il les tue. Ça passe à la place. On est dans la mur. Alors, tu l'avances, mais c'est ça. Eux, à mon avis, sur le char. Hop. Ouais, sur le char. Et ils attaquent le char. Trooper spécial 2 attaque le char. Trooper spécial 2 attaque le char. Attaque le char. Le char a pris un sacré coup. Ah, mais il est pas détruit. Du coup, non. Non. Les et je pense que là, on remonte là, sur les troopers. Hein. Et on détruit, on attaque les troopers. Hein. Alors attends, t'as attaqué un char, c'est ça que tu me dis. Oui. Le char numéro combien ? 2, 4. 2, 2. Ok, ensuite. Ensuite, trooper 4 attaque trooper 2. Trooper 4 attaque trooper 2 rouge. Et, c'est perdu. Et on va recombler le trou là. Voilà. Alors, si c'est perdu. Sinon, on aurait pu avancer ici, mais il aurait été dans la mer. On reste dans la ville, on reste dans la mer. Okay. C'est fait exprès. Nous sommes submergés. Après, c'est nous qui allons attaquer, tu sais, à la mano, les chars. Avec des chaussettes gluantes, tu les mets. Bah, tu bouges pas canon. On peut parler de vaisseau, je te dis. Ouais, mais c'est ce que je voulais, mais bon. Qu'est-ce que t'as, Rolls, à la tête? Vous n'avez pas de bombardier? Non, on n'a pas de bombardier. Vous avez pas un peu d'artillerie là, ou alors hein, Luc? Où es-tu? Ou alors il y a quelqu'un qui active le deck. Il vient là, il attaque lui, lui il attaque lui, donc il le détruit. Et oui, même en ville qui, donc c'est celui-là qui même en ville. Ah non, pas même en ville, t'as raison. On aurait pas dû sortir la ville. Il a une grosse défense en ville, t'as dit. Ouais, il a une plus grande défense, mais il a pris cher. D'accord. Mais t'as raison, il est en ville. Et lui, quand avance là. Ok. Ah, il est gentil, nous a laissé. Oui, j'ai été gentil, je vous ai laissé gagner. Ah oui. Mais c'est la première chose que j'aurais fait, détruire le machin, mais. Ouais. Non, mais il a été déstabilisé. Carrément. Oh mon dieu, ils ont de quoi détruire nos chars. De là. Oui, laissons-les détruire le char. C'est bon ? Quoi, laissons-les après là ? À nous. Bon, bah on va réattaquer nous, le. Ouais, on détruit on va réattaquer char avec Trooper alors, Plus. Trooper Plus, numéro 2, attaque char numéro 2. Est-ce qu'on peut faire un point de côté miné pour dire que l'équipe de commandement était dans le char qui était en train de détruire et que du coup, ça oui, les perd complètement. Oui, ça peut les perturber. T'as dit le char numéro 2, le char combien qui perd qui est mort le 2. Le 2, ouais. Enfin, à condition que deux coups de plus char numéro 2. Ah oui, ils ont détruit le général. Je peux dire qu'on en tirant une roquette, tu prends la place. Votre retour est terminé. Non, non, bah non, on a deux directions. Avec les troopers 4, on va passer en plein milieu de votre tour, il y a un mec qui se retourne vers vous et qui gueule. Merde. Une flotte vient de sortir l'hyperespace. Un général qui fait des renforts ennemis. Non, c'est l'Empire. Allez, allez, allez. Oh, mes copains. On se casse. Il faut évacuer la planète. Bon, alors attends, d'abord. C'est, hein, c'est mon point de côté lumineux qui a fait ça. Non. Continuons de donner des ordres. Et c'est pas un point de côté obscur qui a fait ça. Non. Ok, Trooper 4 attaque Trooper 2. Pour la deuxième pour la, si vous jetez un coup d'œil à l'hologramme de la représentation de la bataille spatiale, il y a une flèche de vaisseau impérial qui rentre dedans, pendant la bataille, comme dans Uber. Ok. Alors, on va peut-être rentrer dans le vaisseau, faire le tour. Faire le tour de la planète. Ah, on rase notre trou. Et on ressort et puis. Parce que j'ai 2-3 problèmes. Abandonnez les chaloupes. Disons que c'est exactement ce que l'homme qui attend depuis le début se met à gueuler. Il fait princesse. On bouge d'ici tout de suite. Exactement. Et, oui. Et la femme, elle fait. Mais on peut pas les laisser si, partir. Si. Écoutez, princesse, on n'est pas là. Il c'est s'adresse à qui là? Il s'adresse à celle avec les macarons. Bah, d'accord, merci. On peut pas rester là. C'est la princesse Leia. 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 Alors. Oui, après, elle se retourne avec un regard implorant et elle finit par quitter la salle. Là, il y a pas mal des généraux qui se barrent aussi. Alors oui. Alors la princesse et le roi, ils veulent pas venir avec nous. On se barre vite fait et bien fait. Donc oui, princesse et le roi, vous pouvez pas venir qu'on se passe. On peut pas laisser tomber notre planète. Bah, soit vous faites ça comme ça, soit vous restez avec la planète. Ça se passe à ce que vous dites, c'est après l'épisode 4. Oui, planète, vous savez, quand t'es pris entre le marteau et l'enclume, tu peux pas dire que ce soit que le marteau. Là, ça fait plusieurs semaines, donc oui, c'est logique. Tu peux pas tout blâmer sur le marteau. Justement, je me dis, mais attends, normalement, il y a qu'elle solo parce qu'elle a été libérée. Donc pendant que c'est un peu la commune. Alors là, tout bizarrement. Les verts en face reculent. Ouais, ils reculent. Ouais, alors oui. On leur tire dessus quand même. Non, ils sont morts de toute façon. C'est notre tour, je veux qu'on les tue d'abord. Ah, pardon. Alors vas-y, finis le tour. Nous, on tire là-dessus. Lui, normalement, il est mort, il a déjà morflé plein de fois. Ouais, d'accord. Voilà.
Et là, normalement, on peut, vu qu'on sait qu'ils vont se replier, on peut tirer là-dessus avec eux et venir là avec eux et tirer dessus encore. Donc la princesse ne veut pas venir. La princesse, elle a l'air perdue. Et après, perdue pour le moment. Pardon. Juste deux secondes. Il a une petite injection de tonique pour la réveiller. Non, lui, ouais, j'aurais plutôt. Voilà, t'attaques lui avec lui. Je sors les clés du vaisseau là, c'est pas possible. Deux attaques sur trooper machin, donc normalement il y passe. Et lui, bon, on l'a lui a découvert, mais c'est pas grave, il va se faire blaster par un tank. Tu vois que les mecs ils sont quand même légèrement en train de réfléchir parce qu'ils vont quand même abandonner leur royaume et ils ont un peu pas trop. Soit c'est le royaume, soit c'est la vie. Ouais, voilà, si vous voulez, vous restez. Non. Allez, maintenant, repli général. Au moins il faut la. Lui se recule. Lui, attaque d'opportunité. Se recule. Lui se recule. Ils ont quelle gueule les vaisseaux d'empire ? C'est les gros vaisseaux triangle. Ah, ceux qui sont interdicteurs hein. Non, non, c'est les impérateurs. Ah, c'est des croiseurs. C'est quoi c'est des croiseurs. Si on prend des interdicteurs, eux j'aime pas. C'est de la culture générale. Celui qui t'empêche de passer dans l'hyperespace. Bah, les triangles, ils sont tous en triangle. Quelques instants après, il y a des vaisseaux qui atterrissent. Il y a pas quelque chose instant dans mon scale. Il y a des vaisseaux qui atterrissent. Ils sont acquis eux. Et qui lâchent des troupes. Elles sont en noir. Ils sont pas à nous, c'est ça. Des troupes de bleu, donc impérial. C'est des Jedi et des sacs armés, toi, non? On peut marcher à travers, c'est pas un problème. Est-ce que les animaux viennent nous aider? Oui. Les aigles, les aigles viennent nous aider. Tiens. Merde. Qu'est-ce que c'est que ce robot là? Ah merde. Oh putain. Non mais c'est des TR, c'est bon. En gros, en fait, c'est des Transformers. En fait, je crois non, c'est des TR. Je crois qu'on a détruit des potentiels alliés là en fait. C'est les deux qui m'achètent. C'est peut-être pas mieux. On a détruit des alliés contre l'Empire. C'est ça les gros. En fait. Non mais là faut se casser en fait. C'est ceux-là les gros. Non, faut peut-être l'affronter avec eux, je pense. Il y en a trois. Putain. Alors, ça c'est les petits que les nounours. C'est quoi ce que t'as fait? Ça c'est les petits que les nounours massacrent. Ça c'est les TBTT, les gros qui marchent dans la neige. Et qu'ils nous font des speeders avec des câbles pour les niquer. C'est vrai que j'ai oublié de vous dire. Vous m'y faites penser. Et les TBTT. Donc, vous, les ennemis, ils avaient ces chars comme ça. C'est ça que vous détruisez depuis le début. Montre, attends, on ne voit pas d'ici. Oh, mais ça entend de grosses maquilles. Ok. Ouais, tu sais, ferme ta gueule. Vous, vous aviez ça. C'est vrai que c'est pour ça qu'on est une... C'est de la merde. Non, et là, l'Empire vous attaque ça avec ça. Non, mais là, faut se casser. Et là. Son papa, lui. Et avec ça. Parce que, oui, se casser, ça, c'est là. Clairement, c'est des trucs... T'es grand comme ça, à côté du... Oui, oui, tu fais la taille de ce. Star Wars. Tu fais la taille de ce regardon. Enfin, l'épisode 5, il a pas vu la première fois. Faut que je passe la stern de la chaise. Bah, je le répète. Donc, l'Empire joue. Non. On va faire 1, 2. Il débarque. On est au cas de chance, il faut se replier. Non, on va se replier, qu'il faut, c'est se barrer. Nuance. Ah, non. Toc. Quitte voilà. Le vaisseau. Et pour terminer, il n'y a pas des tokens. Genre le trooper plus le plus suicidaire de l'histoire de l'armée a survécu. Ils sont là, t'es bien. Le mec est là avec son lance-roquette, son flingue. Qu'est-ce que c'est ? Ah, j'ai pas. On va mettre juste pour vous représenter. Juste pour vous représenter, il y a un vaisseau qui atterrit dans la cour. Oh merde ! Directement. À quoi il ressemble le vaisseau ? C'est un vaisseau qui a l'air d'être un vaisseau de tourisme. Ça a l'air d'être un... Comment ça s'appelle un... Des emmerdes. Pas forcément des emmerdes. Je suis sûr que c'est des emmerdes. C'est le G-Sex. J'ai tiré un coup sur ce vaisseau. C'est quoi? C'est un vaisseau assez long, avec les réacteurs sur le dessus. Ouais. D'accord. Et ça a l'air d'être un petit cargo de tourisme. Princesse et le roi. Hein. C'est pas le moment de rester glandé là, on se casse. Et la reine. Et la reine. Et la reine. Ah ouais. Je crois que vous avez raison, il va falloir faire bien partir. Sans déconner. Dis donc. C'est maintenant qu'on écoute le mec à l'instinct, on se barre. Non mais on se barre là. On dit repli général à nos troupes et on se barre. Enfin, repli général, fuite générale surtout. Oui, c'est un vaisseau de débarquement de la République, c'est un vaisseau que... Non, long c'est avec un... Oui, c'est un vaisseau, un cargo normal, c'est un cargo civil, quoi. Mm-hmm. Il n'y a pas l'air d'avoir... Civil, bien sûr, civil. Mais oui, un civil un au milieu de la bataille spatiale qui est passé tout seul. Non, les chars peuvent pas rentrer dedans. Bon. Au moment où vous vous tournez, pour aller... Quand même, une fois que la princesse commence à se replier, vous vous retournez et là la porte s'ouvre à ce moment-là. Et non, il n'y a pas d'Arc Vador. Non, c'est sa cousine. Non, Lucas, c'est sa cousine. Ouais. Par contre, il y a Patine qui est pas.
Non. Non, non. Ah, je le savais, oui, c'est elle. C'est la bonne touche qu'il a. Regardez deux secondes, vous allez comprendre pourquoi on a changé de... Il n'y a pas Palpatine non plus. Vous allez comprendre pourquoi on a changé de destination. Hey habillé en tenue de combat. Ouais bon bah, hey, moi quand même. Un fusil blaster sur l'écran, je la connais. C'est marrant. Eh ben dis donc, t'as fait tout le chemin pour mon machin, mais dis donc. Je suis censé comprendre quelque chose. Oui. Tu comprendras quand on sera dans le vaisseau, enfin peut-être du coup.